Bonjour à tous les amis, c'est Lumberjack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mode, les amis, sur Farming Simulator 19. Comme toujours, bien entendu, bon, je mettrai cette vidéo lundi matin, bien entendu. Aujourd'hui, je vous présente une petite Benz Josquin qui nous a été créée par notre cher ami Black Sheep Modding. Donc, bien entendu, le lien c'est en description, bien entendu, comme toujours. Hein, c'est une petite Benz, franchement, qui est vraiment bien faite, vraiment très pratique. Et je sais que dans une précédente vidéo, j'avais déjà présenté une petite Benz, mais celle-là est même beaucoup mieux, on va dire. Ah, forcément, quand ça a été créé par Black Sheep Mining, c'est même meilleur, hein, je dois te dire. Hein. Faut pas se mentir, mon ami. Voilà. Il y a beaucoup d'options, on va dire, disponibles, bien entendu, dessus. Hein, tu peux peindre également la couleur de la Benz. Tu peux également rajouter, comme tu peux constater, un petit grillage, tu vois, donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est une petite bennette vraiment très pratique pour faire un petit peu d'exploitation forestière, tu vois, pour mettre un petit peu de bois, pour mettre un petit peu ce que tu veux là-dedans, tu vois. Donc bien entendu le tracteur, celui-ci, c'est un Fendt 310 Vario, tu vois, donc c'était un tracteur d'origine du jeu, hein, c'est pour te faire un petit peu la démonstration de cette benne, bien entendu. Donc voilà, c'est un petit mode vraiment sympathique que je te conseille, franchement, si jamais tu veux te lancer un petit peu, pourquoi pas. Dans l'exploitation, bien entendu. Là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se décharge, bien entendu, donc c'est vraiment pratique. On peut voir que tu peux également ouvrir le haillon, tu vois, un peu plus de réalisme. Donc ça, c'est super bien fait, tu vois, même le détail des chaînes, franchement, c'est vraiment très très bien fait, quoi. Black Sheep, il a géré encore une fois, tu vois, donc ça, c'est cool. Voilà, tu peux baisser l'équipement comme on veut, tu vois, tu peux basculer la petite bennette. Non, bien, ça c'est le rayon. Donc voilà, hop, tu vois, ça c'est vraiment super bien fait, tu vois. Le détail du vérin est vraiment très très bien fait. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, bah, je tourne un petit peu les options qu'il y a disponibles dans le magasin, bien entendu. Voilà. Par contre, j'ai juste coupé le moteur du tracteur. Ah, attends, du coup, pour trouver cette merde, pour trouver ce mode, bien entendu, tu vas, je vais te montrer, bien entendu, c'est dans les remorques, mais je vais te montrer ça un peu plus en détail. Oh, donc voilà, c'est juste ici, c'est dans les remorques, hein, bien entendu. Donc la benne, elle se situe quelque part par là. Alors attends, ce que je la trouve. Non, en fait, j'ai une connerie, c'est pas dans les remorques que tu la trouves, c'est dans tout ce qui est divers. Je m'en excuse par avance. Donc voilà, c'est celle-ci, c'est la 3 points Bennett de Josquin. Hein. Donc d'une capacité de 3 tonnes. Voilà, t'as différentes options, tu peux peindre également la couleur de la benne. Voilà. Tu peux également peindre le châssis de la benne. Le châssis avec le 3 points, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Donc tu peux également rajouter une grille, une grille, bien entendu, pour mettre du bois. Pour bien entendu rentrer un petit peu du bois. Donc ça, c'est franchement cool, tu vois. C'est une petite bennette vraiment sympathique. Donc voilà, quoi. Et bah écoute, c'est un petit peu tout ce qu'il avait dit en termes d'options disponibles, donc, bien entendu. Donc voilà, je te mettrai un lien également en description pour le télécharger, comme toujours. Si tu joues sur PC, hein, bien entendu. Bon, après, sur PS4, bien entendu, c'est assez facile à trouver. C'est dans tout ce qui est divers, bien entendu. Donc je mettrai un lien pour le télécharger. Putain, je vais le lire d'une minute, c'est pas grave. Mais bref, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, à commenter la vidéo, bien entendu, comme toujours, à mettre la cloche des notifs si t'es nouveau sur la chaîne, si t'es pas encore abonné. Et également de me suivre sur les réseaux sociaux en description et qui s'affiche à l'écran en ce moment même. Bien entendu. Donc bah écoute, je te laisse sur cette petite vidéo. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, à une prochaine tout le monde.